Bienvenue sur les réseaux de Genève Terroir pour les visites 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve au Château du Crêt. Bonjour Esther. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bienvenue au domaine Château du Crêt. On est une exploitation agricole viticole située dans le canton de Genève et on va vous montrer nos différentes activités pour essayer de partager notre passion avec vous. On y va. C'est parti. Bonjour, donc moi c'est Julien Morel, l'œnologue du Château du Crêt. Donc ça, ce sont des machines qui sont récentes puisqu'on les a eues l'année dernière. Ce sont des machines qui sont beaucoup automatisées, c'est vrai, mais qui demandent quand même un suivi au niveau des réglages notamment. Et puis bien sûr, il faut toujours quelqu'un pour mettre les bouteilles et récupérer les cartons à la fin de la chaîne. Alors ici, on se trouve dans notre cave à barriques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une centaine de barriques ici. On a inauguré ce bâtiment en 2018. Et depuis 2018, on peut parrainer des barriques. Et donc là, il y a une barrique qui est un peu spéciale. Alors celle-ci, en fait, elle a deux fonds vitrés. Donc on voit par transparence, contrairement à celle-ci où on est vraiment sur un fond en bois. Là, c'est du vionnier et l'objectif, c'est vraiment de voir l'élevage sur lit. On a fait quelques pas, on est passé de la cave à barrique dans notre salle des archives. Comme tu peux le voir, on a stocké pas mal de vieux millésimes ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette bouteille? Alors, cette bouteille-là, elle date de 94. Et 94, c'est la première année où on a décidé de refaire des bouteilles ici au domaine Château du Crêt. Alors on a encore changé un petit peu de lieu, vous ne faites pas que du vin en fait, hein. Vous avez plein d'autres activités sur le domaine. Voilà, exactement, là on est plutôt sur notre partie agricole on va dire, donc on a une grande partie de grande culture, donc on produit des céréales à Genève, donc du blé, du maïs, de l'orge, du colza, etc. Et aussi bien sûr des betteraves pour le sucre suisse. On fait aussi un engraissement de cochon, donc là on est devant notre porcherie. On fait partie de l'opération Cave ouverte, c'est samedi. On vous accueille avec plaisir pour boire un verre et découvrir nos différents crus. Eh bien, merci Julien, merci Esther pour cette belle visite aujourd'hui. Et puis, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur nos réseaux.